Et les enfants répondent à Oula. Ah, vous êtes sage, vous êtes même très très intelligent, mais alors, très très intelligent. Mission, est-ce que je peux mettre un costume? Oui. Ouvrez maintenant les yeux. Là-bas, il n'y a pas de téléphone. Ça, c'est la flûte pour les garçons et là, c'est pour les filles. Et pour les filles? Et lorsqu'on veut maintenant discuter, ça donne ceci. Et parfois, on peut même faire de la musique avec ces flûtes. Aoula, aoula. Et c'est pas tout. Un jour, les enfants se baladaient dans la forêt et ils ont trouvé des coquilles d'escargot. C'est une coquille d'escargot. Et comme les enfants là-bas, tout au long de l'année, ils n'ont pas de jouets, ils se sont dit, alors qu'est-ce qu'on va faire à Noël? Ah ben moi, j'en sais rien. Est-ce que chez toi, tu as des jouets? Non, j'ai pas de jouets. Moi, j'aimerais bien faire de la musique, hein. Mais j'ai pas d'instrument de musique. Eh ben attends, je vais te montrer. Et voilà comment il a fait. Il a pris une coquille d'escargot comme ceci. Il a pris des petits cailloux. Il les a mis dedans, il a fermé avec sa main et il a pris un autre gros caillou qu'il a pris à la main gauche et il s'est mis à faire de la musique. Et il est arrivé au village, il a commencé à jouer, sa maman a vu que c'était bien. Il a dit, mais ces enfants, ils sont ingénieux. Eh bien, toutes les filles du village vont prendre les coquilles d'escargot comme ça. Ensemble, nous allons souvent chanter le soir. Et voilà comment toutes les femmes du village ont pris des coquilles d'escargot. Désormais, lorsqu'on mange les escargots, on ne jette plus des coquilles. On les récupère. Et on en fait... Aoula, aoula. Maintenant, les enfants qui continuaient toujours à se balader dans la forêt, vous savez que là-bas, les enfants se baladent beaucoup dans la forêt. Ils font la chasse, ils font de la cueillette, ils cultivent des légumes, ils font la pêche aussi. Et là-bas dans la forêt, ils trouvent pas mal de choses. Ils ont trouvé des fruits secs. Ils ont attaché sur deux ficelles pour en faire ce qu'on appelle des boules de casse-casse. Les boules de casse-casse! Les boules de casse-casse! Les boules de casse-casse! Et comment on va jouer avec nos boules de casse-casse? Voilà, ça peut devenir des maracas comme ceci. Ou comme cela. Ou alors comme ceci. Ou alors, ça peut devenir ceci.
Et ce n'est pas tout. Le dernier instrument s'appelle kalimba. Kalimba. Ou alors, on peut aussi l'appeler sanza. Sanza. Alors, mon grand-père utilisait cet instrument parce que là-bas dans la forêt, tout le monde va dans la forêt pour travailler ou pour faire la pêche ou la chasse. Et comme il restait avec nous tout seul au village, pour nous raconter des belles histoires et chanter avec nous, il utilisait cet instrument. Et... Baoulé, baoulé. Baoulé, baoulé, baoulé. Nana. Papi, nous quoi? Cha 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 cha. Ah, oula, oula. Mon village est niché au cœur de la forêt, comme une calvitie sur la tête. Et son feuillage touffu regorge la prochaine fois. Pourquoi vous faites Bon, d'accord, d'accord. Ah, oula, oula. Ce jour-là était très calme. Dans mon petit village, s'il te plaît, est-ce que tu ne l'as pas vu passer une belle jeune fille? Elle s'appelle Swahili, en fait. Et un jeune garçon, tu ne les as pas vus?